Bonjour et bienvenue sur Canal Plus Cinéma pour une séance entre vous et moi. J'espère que vous allez bien. On va regarder un film ensemble et pour bien nous accompagner, le plateau du jour sera composé d'un muffin au chocolat qui de loin ressemble à un étron mais qui est délicieux, un sandwich de bonne facture et enfin de la ratatouille. C'est un conseil, hein, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, ça s'associe très bien avec notre film du jour, The Lunchbox. Ila prépare tous les midis pour son mari un savoureux repas. Si la jeune femme se donne tant de mal pour lui faire plaisir, c'est que ce dernier ne lui prête pas beaucoup d'attention. Cette boîte à déjeuner, dit lunchbox, est un jour accidentellement remise à Sajjan, un comptable bientôt à la retraite. Ces deux êtres, qui n'auraient jamais dû rentrer en contact, vont entamer une correspondance au travers de petits mots glissés dans la lunchbox. Merci d'avoir mangé tous les plats. Je les avais cuisinés pour mon mari. Quand j'ai vu que les boîtes étaient vides, j'ai pensé qu'il allait me dire un petit mot gentil. L'espace de quelques heures, j'ai cru que le chemin pour toucher le cœur d'un homme passait par son estomac. Chaque jour à Bombay, près de 200 000 repas sont remis par les Dabawalas, des livreurs illettrés qui distribuent des repas maison à des salariés sur leur lieu de travail en utilisant un code pour ne pas se tromper de destinataire. Les chercheurs d'Harvard, oui, ils n'ont que ça à faire, ont démontré que seule une lunchbox sur 1 million n'arrive pas à la bonne adresse. Eh bien, cette exception est le point de départ de cette comédie romantique où se mêlent amour et gastronomie. Vous êtes belle. Vous êtes jeune. Vous avez des rêves plein la tête. Et vous m'avez permis de rêver avec vous. Présenté à Cannes en 2013 à la Semaine de la Critique, The Lunchbox a été un succès phénoménal en Inde pour un film à petit budget, très loin des blockbusters de Bollywood. Suite à sa présentation sur la croisette, le premier film du réalisateur indien Ritesh Batra a été acheté dans 48 pays. C'est une véritable success story, je vous dis. Tout est bon dans The Lunchbox, alors bon film.